Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on présente vos hamsters. Comme pour les cages et comme la fois dernière, je vous demanderai de ne plus en envoyer pour le moment, le temps que je rattrape mon retard. Ça va déjà mieux, mais on n'est pas encore au bout des mails que j'ai en stock dans la boîte mail. Alors on est parti avec Mathilde qui nous dit « Bonjour à vous, je vous présente ma petite hybride sous le nom de Jeanne, couleur panda il me semble. » Alors panda c'est vraiment une appellation, c'est du noir mottled. Elle est toute jeune, 3 mois, je l'ai que depuis 4 jours et elle monte déjà dans ma main. Elle n'a vraiment pas peur, elle est très curieuse. J'adore vos vidéos, tous vos conseils que j'essaye d'appliquer le mieux possible. Les photos ont été prises lors de son adoption, ce n'est donc pas sa cage. Bonne journée à vous. Bonne journée à toi Mathilde. Et c'est cool que tu essayes d'appliquer les conseils. Cette petite pitchoune va avoir une belle vie. Donc c'est du noir mottled, c'est un hybride qui est noir mottled. Alors, coucou les filles, je m'appelle Menji et je vous présente mon hamster. C'est une femelle russe, elle s'appelle Douma Douma et a une histoire un peu particulière car je l'ai trouvée dans l'herbe en face de mon bâtiment. Puis je l'ai récupérée et j'ai demandé à tous mes voisins si c'était leur hamster. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de hamster. Du coup, je l'ai gardée, elle est très gentille, adore les câlins. Je lui ai créé une bean cage. J'espère que vous allez partager son histoire car je pense que c'est quelqu'un qui l'a abandonnée. Effectivement, c'est très probable que quelqu'un l'ait abandonnée, petite pitchoune. Donc c'est une hybride couleur agouti. Et du coup c'est bien, elle a une belle vie maintenant, c'est chouette ça. Douma Douma. Alors, Milena qui nous dit « Salut, voici Riz, comme la gourmandise américaine au chocolat et beurre de cacahuète. C'est une femelle hybride, elle adore les sorties en parc, mais surtout en liberté surveillée. » Ah bah évidemment, elle sait ce qui est bon. Hein. « Les arachides, c'est son péché mignon. » Qu'est-ce que je disais? Avec modération, bien sûr. « Vos vidéos m'ont beaucoup aidé avant d'adopter hamster et encore aujourd'hui, merci les filles, avec... » Plaisir, une petite hybride couleur agouti. Alors Dorian qui nous dit « Coucou les filles, voici mon hamster se nommant Olaf. C'est un petit choupinou qui a à peine 2 mois et se montre déjà très glouton. Vos vidéos m'ont apporté énormément de choses qui ont pu améliorer la vie de mon petit protégé. Merci d'avance, merci à toi Dorian. » Et donc tu as un hybride couleur agouti. Alors visiblement on est la team agouti aujourd'hui. L'autre fois c'était la team opale. Alors Marina qui nous dit « Salut, je suis fan de tes vidéos, elles m'ont beaucoup appris. Je te présente mon petit mâle hybride de 6 mois qui se nomme Petit Loup. Il est beige clair mais il ressort un peu gris sur les photos et en fait la couleur s'appelle beige, comme ça tu sais. Il a un sacré caractère, quand je le laisse pas faire ce qu'il veut, il se met vite en colère, il adore sortir et les bisous, j'espère passer dans ta vidéo, continue comme ça. Bisous, bisous à toi Marina et au petit Petit Loup. » Donc c'est la couleur beige chez les hybrides, c'est les nouvelles couleurs de russe entre guillemets qui ont été obtenues en croisant du Campbell. Ensuite Annabelle qui nous dit « Coucou, je vous présente Lina, un petit hamster hybride, je suppose Campbell russe, oui c'est les deux seules espèces qui peuvent s'hybrider de toute façon. De 3 ans, une jolie boule de poils avec beaucoup d'énergie, madame n'est pas compliquée et se laisse facilement manipuler. Sinon, PS, j'adore votre chaîne, continuez comme ça. » Merci à toi. Tu as donc un hybride couleur perle. Déjà 3 ans, ça c'est vraiment chouette. Alors Hortense qui nous dit « Bonjour, je vous présente Boubouille, un petit mâle d'un peu plus d'un an. » Alors pour la petite anecdote, il devait s'appeler Charlie, mais réagit très bien à Boubouille, il ne devait pas aimer. C'est un vrai petit curieux qui n'a peur de rien, qui adore escalader tout ce qu'il trouve, mais aussi un clown certainement malgré lui. Je suis tombée par hasard sur votre chaîne, je suis devenue fan, gros bisous. Bisous à toi. Et à ton petit Boubouille, encore un hybride agouti. Je vous dis, aujourd'hui, c'est la team hybride agouti. Je vois qu'il mange une carotte sur la dernière photo. Fais attention, c'est très sucré. Tu as un hamster hybride, donc il faut impérativement éviter tout ce qui est sucré, parce qu'ils sont sujets au diabète. Alors Kelly qui nous dit « Coucou, voici Bouboule, un petit hamster syrien angora qui adore passer son temps à dormir et manger, comme tous les vrais hamsters. » Voilà, j'espère passer dans une de tes vidéos, évidemment. Bouboule, un petit syrien angora. Mal, clairement, vu les poils. La photo n'est pas assez précise pour donner la couleur. Alors, coucou les filles, voici des photos de mon petit Georges de 11 mois. Bisous et bonne continuation, bisous à toi. Alors, on a un syrien qui est couleur yellow. Yellow angora. C'est une belle couleur sur de l'angora, le yellow, j'aime bien. Alors Lola qui nous dit « Bonjour, voici Tagada, une femelle hamster hybride achetée en animalerie en 2015. Elle n'était pas encore sevrée et voilà quand aujourd'hui elle a 4 ans, n'a jamais eu aucun problème. J'espère passer dans votre prochaine vidéo. Bonne journée à toi. » Donc Tagada qui est une hybride couleur perle.
Bonjour, voici la petite Midona qui est hamster Campbell noir mottled, mais je préfère me dire que c'est une hybride. Comment ça, tu préfères te dire que c'est une hybride? Soit c'est un Campbell et tu as un pedigree parce que ça a été sélectionné, soit si ça n'a pas été sélectionné, il y a des grandes chances que ce soit un hybride, donc c'est un hybride. Son surnom c'est Petite Vache, elle va avoir 1 an. Merci de tes vidéos conseils avec plaisir. C'est vraiment une belle couleur le noir mottled, j'aime bien. Elle est trop choupette. Elle est vraiment trop choupette. Alors, bonsoir, je vous envoie les photos de Zitoun. Il a bien grandi depuis. Il a 1 an et 2 mois. Les photos datent un peu. J'ai coupé les griffes depuis. C'est un hybride. Et il a un très mauvais caractère. Mais il m'aime au plus profond de lui. J'adore. Merci pour vos vidéos. C'est grâce à vous que j'ai acheté une cage Alaska qui a de la nourriture adaptée de chez Croc-Nac. Bonne continuation. Bisous. Bisous à toi aussi. Et à Zitoun. Choupinou. C'est couleur mandarine, ça. C'est de l'hybride couleur mandarine. Alors, bonjour, je suis Jérémy. Je vous envoie une photo de mon hamster panda. Son nom est Oreo. Alors, le hamster panda, c'est une invention des grossistes. Ça n'existe pas. C'est un hamster syrien noir à bandes blanches. Petit Oreo. Il y a beaucoup de hamsters qui s'appellent Oreo. C'est mignon comme nom. Alors Eline qui nous dit bonjour, je vous présente Aloha, décédée le 12 juin 2019. C'était une hamster syrienne, elle est née le 6 octobre 2017. Je l'ai adoptée le 22 novembre, malheureusement dans une animalerie, mais suisse. C'est pour ça qu'elle a la date de naissance d'ailleurs. Elle vivait dans la cage Alaska, la première photo date du jour de son arrivée. Elle a bien changé de couleur. Bonne journée à toi. Donc c'est du yellow black à bande blanche Angora. Et donc en fait le changement de couleur sur toutes les couleurs yellow, c'est tout à fait normal. Ça va vraiment évoluer tout au long de la vie de l'animal en fait avec les mues. Alors bonjour, je m'appelle Berkane. Je suis désolée si j'écorche ton prénom, je ne le connais pas du tout. J'ai un hamster Roborovski, mais je ne sais pas de quelle espèce de Roborovski est-il. Pouvez-vous me dire de quelle espèce de Roborovski il s'agit? Alors, il n'y a pas différentes espèces de Roborovski. L'espèce, c'est le Roborovski. Si tu veux savoir la couleur, je vais regarder. Alors, je sais bien qu'il y a des sticks de miel, mais je ne lui donne jamais car j'ai regardé vos vidéos. Donc, c'est un agouti mottled, ton petit loulou. Il est vraiment choupi. Alors, bonjour, je m'appelle Choupi, je suis hamster chinois et j'ai 2 mois. C'est rare qu'on ait des Chinois, c'est chouette ça. Ta question sur les Kleenex, j'y réponds dans la dernière vidéo, celle d'hier en fait, sur les habitats. Un petit chinois couleur agouti. Je vous ai dit que c'était la team agouti aujourd'hui. Hein. Il est vraiment mignon. Alors Héloïse qui nous dit « Bonjour, je vous présente Winnie, un tout petit hamster mâle qui aura 2 ans le 24 octobre. C'était avant-hier, donc bon anniversaire à Winnie. » Il a été très facile à apprivoiser car dès la fin de la première semaine d'apprivoisement, je pouvais déjà lui caresser le ventre et la tête. Cependant, il n'aime pas trop ça et préfère grimper partout, notamment sur mes épaules où il adore aller. Seulement quand je suis assise sur un lit, évidemment. Je l'adore et j'espère qu'il vivra très longtemps. Merci pour tous vos beaux conseils. Bisous, bisous à toi. Et donc, c'est un hamster syrien gris perle angora. Alors, bonjour, je m'appelle Victoria et voici mon hamster doré Théo. Il a 2 ans et 5 mois, un petit pépère. Je l'ai eu de ma tante qui a acheté une femelle d'animalerie. Évidemment, elle était enceinte. Il était câlin et vraiment gentil. Et pas une seule fois, il ne m'a mordu. Vos vidéos sont super. Merci à vous. Merci à toi. Et merci évidemment à tous ceux qui regardent. Et donc, tu as un hamster syrien crème angora. Crème aux yeux noirs angora. Avec un beau poil. Alors, coucou les filles, j'espère que vous allez bien, nous ça va impeccable, moi c'est Kim, je vous présente mon hamster qui est une petite femelle qui s'appelle Yumi. C'est une petite hamster syrienne angora et je dirais qu'elle est orange, effectivement elle est orange. Sinon, elle est adorable avec tout le monde, ça va faire bientôt 1 an que je l'ai, pour le moment elle n'a eu aucun souci de santé. Elle nous réclame tout le temps à manger une vraie goinfre, du coup on essaye de varier en lui donnant des fruits et légumes de temps en temps. C'est un amour même si elle est super énergique et qu'elle nous fait plein de bêtises, une femelle hamster syrien quoi. Bisous les filles, bisous à toi. Et donc oui, effectivement, c'est de l'orange angora. Alors, voici mon hamster qui va avoir 5 mois. Il s'appelle Rachid, c'est un hamster syrien. Il est très câlin et adore creuser sous la litière. Merci de m'avoir écouté, à la prochaine pour l'une de vos vidéos. Gros bisous, bisous à toi et à Rachid qui est donc un hamster noir angora. Hamster syrien mâle noir angora.
Les photos sont trop choupinou. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le concept vous plaît toujours autant. Donc, je rappelle, pas d'envoi encore cette semaine. On pourra recommencer probablement dès la fois prochaine. N'oubliez pas évidemment de liker si ça vous a plu, de commenter en nous disant pourquoi pas votre team, si vous êtes team hybride Agouti, team hybride Opal, si vous êtes team syrien. Et évidemment de vous abonner si c'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.